Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce mardi 6 décembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, j'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif. Le plus fort est celui que je nourris le plus. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé lâcher prise. Ah, c'est pas facile, hein, de lâcher prise. On veut tout contrôler, mais ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas tout contrôler. Et cette carte, elle vous demande de prendre conscience que accepter, c'est mieux supporter le quotidien et ses aléas. Vous savez, quelquefois, il est nécessaire de lâcher prise pour avancer. Cela ne veut pas dire ne plus réagir, n'est-ce pas, à ce qui vous entoure. C'est simplement admettre qu'on ne peut pas avoir d'emprise sur tout. Soit parce que c'est impossible, soit parce qu'on ne peut pas être toujours sur le qui-vive. Petite anecdote, l'univers m'a fait prendre conscience que je devais faire un lâcher-prise sur quelque chose. C'est quelque chose que j'avais très difficile à faire. Eh bien, l'univers, il m'a mis sur mon chemin une petite maladie. J'ai compris que je devais faire un lâcher-prise sur ça. Je sais pourquoi cette petite maladie est venue à moi. Voyez, même moi, qui vous donne de bons conseils, je m'en donne aussi. Et puis, lorsque je ne fais pas ce qui est n'est pas bon, l'univers me le rend. Et là, il me l'a rendu, mais bien convenablement. Et là, j'ai décidé de faire un lâcher-prise. Donc, vous voyez, on peut y arriver. Et quelquefois, il faut qu'on nous donne un fameux coup pour le faire. C'est triste d'en arriver là. Moi, j'en suis arrivée là et voilà. Abandonner l'idée de tout mener de front et de rechercher la perfection. Gérer les responsabilités au travail. Avoir une maison impeccable, être constamment d'humeur égale, régler les imprévus du quotidien. Mais on vous demande d'apprendre à choisir vos combats. Acceptez d'être la personne que vous êtes et non pas celle que vous rêvez d'être. Il est grand temps de vous préserver de vous. Il est grand temps. Faites un lâcher-prise sur ce que vous vivez parce que ça vous empoisonne l'existence. Ça vous use psychologiquement et physiquement. Petit rituel. Si vous êtes face à une situation compliquée, posez-vous ces questions. Est-ce que je peux agir?
Est-ce que c'est à ma portée ou n'ai-je aucun contrôle sur cet événement? Si maintenant la réponse est non, eh bien, prenez de grandes inspirations et lorsque vous expirez, sentez votre corps se détendre. Visualisez-le se détacher de toute cette tension et libérez-vous peu à peu de vos attentes. Vous reprenez le contrôle de votre corps, pas de la situation. Et vous acceptez cela sereinement. L'avenir est rose. Comme ce croissant de lune poudrée que vous pouvez visualiser sur la carte. Waouh, quel beau message encore aujourd'hui, n'est-ce pas? On termine avec l'oracle de l'évolution. Pour pouvoir avancer dans la vie, parfois tu as juste besoin d'une pause. Pour ressentir, manifester tes émotions, t'incarner pleinement avant de repartir, eh bien, prends ce temps. Il est vraiment précieux. Je vous souhaite une excellente journée dans l'amour inconditionnel et puis on se retrouve demain. Mettez un petit pouce, ça permet à l'algorithme de YouTube de faire connaître ma chaîne. C'est bien gentil de votre part. Voilà, et puis d'ici là, d'ici demain, portez-vous bien. Je vous embrasse. À demain. Thank you.